Est-ce que t'es comme moi, t'aimes ça marcher de la gomme? C'est bon! Sauf qu'ils nous disent que c'est pas bon pour les dents, hein. C'est pas bon pour la santé, évidemment, à cause de tous les ingrédients qu'ils mettent là-dedans. C'est exagéré, tout ce qu'il y a. Alors, il s'agit juste d'enlever les ingrédients qui sont pas bons pour la santé. Alors, j'ai enfin mis la main sur le paquet de gomme idéal. Les gommes Vasimolo, oui! Dans ce paquet de gomme-là, regarde, je vais te montrer tout de suite les ingrédients qu'ils ont enlevés pour que ce soit bon pour la santé. Sans sucre! Sans colorant, sans additifs, sans caféine, sans calories et sans cholestérol. Évidemment, sans gomme. Il n'y a plus rien dedans. Je vais aller rejoindre Maryse, elle va nous parler d'exagération. Bonjour Maryse. Salut, est-ce que tu veux une gomme? Oui, s'il te plaît. Ah, non, je peux pas, il y en a pas. Nouvelle gomme Vasimolo, ça marche pas. Faut que je me débarrasse de la mienne, par exemple. Aujourd'hui, on parle de exagération, je le sais, mais comment tu vas nous en parler? Ben, moi, j'ai choisi de parler des inventions. Désolé, parce que je vais te dire qu'en lisant le livre mondial des inventions, on se rend compte que des fois, il y a exagération. Pas toujours, évidemment. Dans les inventions. Mais quelquefois. Ah oui. Dans le nombre d'inventions. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Il y en a, c'est incroyable. 550 000 au monde par année. Juste au Canada, là, il y a 35 000 demandes. On en accepte à peu près la moitié, disons. 35 000 demandes par année? D'invention, t'as rendu compte? Oui, c'est beaucoup. C'est énorme. Tu veux m'en montrer aujourd'hui? Je vais t'en montrer et tu vas essayer de deviner. J'ai deux livres ici. D'accord. Donc, le livre mondial des inventions, OK? Oui. Alors, les vrais, évidemment, vont se retrouver là-dedans. Oui. Et les fausses vont se retrouver dans le catalogue des objets introuvables. C'est un Français qui s'est amusé à faire des dessins de trucs pas inventés. Ah, c'est drôle, ça. Il y a des dessins là-dedans. D'accord. Donc, moi, je vais essayer de trouver si c'est une vraie ou non. C'est ça. Mais je te parle d'abord d'une vraie, je te le dis, parce que c'est une super belle invention. C'est Yvon Martel qui a inventé ça, un Québécois, et ça s'appelle l'hélisphère, les propulseurs hélisphères. Je veux voir ça. On n'a pas pu l'avoir en studio parce que ça prend de la place. Regarde, André, c'est un petit moteur. Ça va à 50 km/h. Et c'est sur le plat, là. Tu peux t'en servir aussi pour aller plus vite en deltaplane, en ski alpin, tout ça. Mais c'est bon juste pour l'hiver, non? Tu viens de parler en de deltaplane. En patin à roulette, un paquet de trucs comme ça. C'est vraiment génial comme invention. En canot aussi, je crois, hein? Oui, tu peux te servir de ça. Puis il y a un petit réservoir d'essence là-dedans. Là. Ah oui? Les Québécois, on est très inventifs. Ben oui, comment il s'appelle encore une fois? Yvon Martel. Yvon Martel. Bravo, M. Martel. Oui, merci. Bravo. Tu sais, je te regarde depuis tantôt et je me demande si c'est moi qui n'ai pas assis à la bonne place ou c'est toi qui berce dans le mauvais sens. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une invention, OK? Et ça rappelle le doux mouvement de la mer. Et c'est pour ça que ça me donne mal au cœur. Je veux l'essayer, voir. C'est ça, André. Il me semble que habituellement, c'est pas dans ce sens-là. Dans l'autre sens. Oh, mon... Oh, oh! C'est comme un berceau. Invention ou fausse? Ben, si je l'ai là, en vrai, je suis assis dedans, c'est une vraie invention, mais je l'ai jamais vue. Mais non, c'est Vasimolo qui l'a fait, mais c'est une fausse. C'est une fausse, ça? Oui. Bon, une chance, parce qu'on vient qu'on a mal au cœur. T'en as d'autres à me montrer? Oui, j'ai autre chose à te montrer. Ta-ta-ta-ta. Qu'est-ce que c'est? André, est-ce que tu te rappelles ma chronique ménage? Il y a un petit bout de temps, je donnais des trucs, comment faire le ménage. Bon, je me rappelle, à la fin, on lavait le plancher d'une façon bien spéciale. Oui, c'était avec nos pantoufles, je pense. On avait des brosses en dessous, on dansait et ça lavait le plancher. Alors, voici. C'est pas tout à fait pareil. Je vais te faire un petit peu de poussière, n'est-ce pas? Des petits pop-corn. Alors, je vais ramasser ça avec... Alors, un porte-poussière avec une brosse en dessous, ici. Mmh, d'accord? Oui, oui. Et tu vois, t'es plus obligé de te pencher. Ah, puis tu peux lire un livre pendant ce temps-là, continuer à regarder la télé. Est-ce que c'est une vraie ou une fausse? Ben... Devinez. Je sais pas. Là, il manquerait la poubelle. Où est-ce que... Il pourrait avoir une poubelle ici, puis je vide ici, tu sais, dans la poubelle, mais là, ça marche pas. Je pense que c'est une fausse. T'as tout à fait raison, André. Je suis beau. Tili-tili. Ah, une autre. Alors, pour épargner du temps, souvent les inventions, c'est pour épargner du temps. Supposons que tu es en train de te brosser les dents le matin, il y a quelqu'un d'autre, heureusement,
Et là, tu veux te curer les oreilles. Voici le vilebrequin hygiénique. Alors, en même temps, je veux te curer les oreilles. Oui, ça marche. Oui. Vraie invention ou fausse? Ben là, écoute, c'est un petit peu ridicule. Je pense que c'est faux. Oui, mais c'est pas parce que c'est faux que c'est ridicule ou c'est pas parce que c'est vrai que c'est pas ridicule. Je vais te montrer d'autres choses, André. D'accord. Est-ce que toi, tu pleures quand tu épluches des oignons? Oui, ça m'arrive. Des fois, je pleure aussi pour autre chose, mais ça, c'est... Quelle belle invention, André! Qu'est-ce que c'est? Des lunettes, ouais. Comme ça. Ah, OK? Celle-là, tu vas comprendre. Je vais l'expliquer en même temps. Donc, je coupe un oignon. D'accord. Et j'essaie là, de pleurer. Là, tu vas pleurer. D'accord? Oui, bien, j'essaie. Il y a des petits trous ici, un petit tuyau, et voilà les petites éponges ici, là. Ouais. Et ça, l'eau va tomber ici, et ça va tout retenir. Et là, tu peux garder ça pour faire de l'eau de pluie ou je sais pas quoi, arroser tes plantes. Tu comprends? Bon, oui. Écoute, Maryse, je veux pas ne pas respecter ton idée, là, mais je pense que c'est ridicule. Ça marche pas. C'est une fausse. Oui, parce que les lampes vont sur les joues et non là-dedans. C'est une fausse, mais ce serait peut-être une bonne idée. Encore pour épargner du temps, André. Oui. Regarde. Supposons que tu as un travail à taper à la machine et tu veux pas perdre ton temps, tu veux pas te salir les mains. Voilà le porte-bouffe, le porte-nourriture. Tu peux manger ta banane, OK? Ah. Et t'es plus obligé de perdre ton temps, là, arrêter de taper à la dactylo et tout ça. Ouais. C'est bon, hein? Oui, mais c'est pas vrai. Voyons, ça se peut pas. Écoute, André, on a souvent fait des inventions pour régler des problèmes. Oui, mais ça, c'est pas une vraie invention, ce truc-là. C'est une vraie invention. Regarde, on la voit dans le Livre mondial des inventions. Hein, c'est une vraie invention, ça a été inventé pour vrai. Je peux oui. mettre un sandwich, là, ben bon, c'est le fun. Belle invention, merci. Mais c'est pas génial. Oui, mais ça solutionne un problème, effectivement. Eh oui, c'est ça. Alors, André, si on parle de problème, j'aimerais ça en solutionner, moi aussi. Oui. Bientôt, je fais ma petite annonce, comme la semaine dernière. J'ai besoin, d'accord? Oui, on t'écoute. J'ai besoin que vous m'écriviez. Vous m'écrivez vos problèmes. Il faut que ce soit des problèmes drôles, originaux. Vous m'écrivez aux soins de... J'aime pas les bananes. Au soin de Vas-y Maryse, vous m'écrivez votre problème et dans une chronique bientôt, je vais tenter de les résoudre. Alors, l'adresse Carte Postale 90-90, succursale Centre-Ville, Montréal, H3C, 3P3. Une autre invention. Ah, la toute dernière invention, tout à fait géniale. J'ai hâte de savoir si tu vas deviner si c'est vrai ou si c'est faux. Oui. Alors, c'est le parapluie familial. C'est vrai, t'as encore tes pantoufles. Oui, c'est pas facile. Le parapluie familial. Je fais la maman, tu fais le petit garçon et tu vas comprendre. D'accord. Qu'est-ce que c'est ça? Quand il pleut beaucoup, on embarque là-dedans, en famille, et on marche. On va les tester, ça marche! Et c'est une vraie invention! C'est une vraie invention! On s'en va à une mission possible! C'est froid! C'est froid! OK! Bonjour Thomas, ta mission aujourd'hui, nous faire visiter le fond en comble, le fameux biodôme à Montréal, mais ça, en 5 minutes, c'est exagéré, mais bonne chance! Ah, ah! Hey, Ben, peux-tu m'aider? Oui. Pour qu'en 5 minutes, je fasse visiter le biodôme au complet puis que je donne le plus de détails possible. Ah, mon Dieu, en 5 minutes, ça va être dur, parce que aussi, j'ai tout ça à visiter. Ah, ben, pas de problème. Moi, je m'occupe du tout seul. Nous autres, on va visiter là-haut, OK? Super. Tout ce que tu fais sur la tropicale. OK, alors ici, c'est à peu près 30 degrés, 85% d'humidité. Puis on a 78 espèces, à peu près 1600 individus qui vivent dans la forêt tropicale ici au biodôme. Est-ce que c'est un vrai arbre? Celui-là, c'est un pot. Alors, c'est en ciment, il est vide à l'intérieur. Puis ça sert à soutenir la voûte de verre. Puis aussi, tu peux avoir des petits appareils électroniques avec des petites bulles qui envoient l'humidité. Puis aussi des trappes qui envoient l'air chaud. Si tu veux, je vais aller te montrer ça en bas, tu vas mieux comprendre. OK. Vas-y. Tiens, Eddy, c'est comme les racines de l'arbre, ça? Eh oui, c'est la même chose. Là, tu vois, il y a comme un gros pilier de ciment, puis ensuite, là, tu peux même rentrer à l'intérieur de l'arbre, là. Puis on peut regarder ça, si tu veux, sur le panneau qui est juste là. Alors ici, tu as de l'air chaud, là, qui monte jusqu'en haut, puis qui sort par les trappes. Ouais. Puis tu as aussi de l'eau qui monte jusqu'en haut, puis qui sort par les petites pour donner de l'humidité. Alors, c'est comme ça que ça marche au niveau du système. Ah oui, il faut que je remonte tout de suite en haut encore. Alors,
Thomas, ici, là, on est dans la presque dans la grotte des chauves-souris. Puis à peu près 400 chauves-souris. Puis Georges leur donne surtout à manger, là, des fruits, puis aussi du nectar. Où c'est préparé, cette nourriture-là? Ça, c'est préparé au sous-sol, dans les cuisines. Je retourne en bas. Alors, Thomas, je te présente Benoît, c'est le cuisinier du Biadon. Bonjour, Thomas. Bonjour. Est-ce que tous les animaux mangent la même chose? Non, chaque animal a une diète différente élaborée par le vétérinaire. Est-ce que les animaux sont nourris chaque jour? Excuse-moi, il faut que je retourne en haut. C'est pas nécessairement... Ça dépend de la variété des animaux. C'est sûr qu'il y a des animaux qui mangent tous les jours, il y en a qui mangent deux fois par semaine. Si on prend les petits oiseaux tropicaux, par exemple, eux, on leur donne des cabarets pour qu'ils puissent manger constamment, à volonté. Ça a l'air bon. Ben, t'en as un qui est en train de donner de la nourriture aux poissons au fond de l'eau, puis à l'autre, tu passes l'aspirateur pour pouvoir enlever les algues qui sont collées sur les roches. Est-ce qu'elle est propre, cette eau-là? Ah oui, elle est très propre. Il y a un gros système de filtration au sol. J'y vais. Donc, ici que ça se passe, la filtration? Oui, c'est en plein ici. On a trois types de filtration. La filtration avec la tour d'ozone, filtration biologique et la filtration avec les trucs à sable ici qu'on a. Aïe, imagine la piscine qui pourrait aller avec ça. Mais ça pourrait faire une grosse piscine. Ah, faut que je m'en aille. Salut! Hey Thomas, il n'y a pas de papillons ici. Ah non? Non, mais on a des beaux poissons, par exemple, dans le Saint-Laurent marin. Est-ce que je voudrais venir en voir? Ah ben oui. OK. C'est le Saint-Laurent marin? Oui, ici on est dans le Saint-Laurent marin, la partie du fleuve où on commence à trouver de l'eau salée, comme dans le coin de la Gaspésie. Oui. Puis on y retrouve aussi beaucoup d'espèces ici, comme des sous-bassins, on a aussi des mouettes tridactyles. Puis on a des invertébrés, comme par exemple les anémones de mer qu'on voit ici dans le bassin. On continue? Oui, super. Hey, les roches, est-ce que c'est des vraies roches? Non, ce sont toutes des fosses ici au biodôme, puis à l'intérieur, c'est pas mal vite. Ben, j'ai une bonne maquette en bas. Je retourne. Tiens, c'est ça ta maquette? Oui, c'est ça ma maquette. Alors, pour donner les formes des roches, là, au biodôme, on a mis du grillage à poule, puis ensuite, on a envoyé du ciment dessus. Ce ciment-là, quand il a commencé à être sec, on l'a taillé un petit peu, puis on l'a peinturé. On a également mis, là, comme du plastique, c'est du géotextile, pour empêcher que l'eau s'infiltre. C'est vrai, faut que je retourne en haut encore. Il fait froid ici. Ben oui, il fait froid, hein. Ici, on est en plein dans le monde polaire. Alors de là, de ce côté-ci, là, t'as l'Antarctique où on trouve les manchots. Mais les gens, souvent, ils vont appeler ça des pingouins, mais c'est pas tout à fait ça, parce que les pingouins, c'est l'autre côté en Arctique, puis ça vole très bien. Puis la neige? La neige, on la fabrique ici même au biodôme, mais il faudrait aller au sous-sol encore. J'y retourne. C'est ça ta machine à neige, Edé? Oui, c'est bien ça. Ça s'appelle aussi une machine à sorbet. C'est pas mal pareil. Alors, tu vas avoir de l'eau qui va couler sur les parois du cylindre. Là, ensuite, tu vas avoir un grattoir qui va passer comme ça, qui va comme gratter la neige. C'est comme ça qu'on la fabrique. C'est vrai, il faut que je remonte en haut encore. Ici, c'est la forêt laurentienne. Qu'est-ce que c'est, la forêt laurentienne? La forêt laurentienne, c'est celle qu'on trouve à peu près une centaine de kilomètres au nord de Montréal. Mm-hmm. Alors, il y a beaucoup d'érables et beaucoup de bouleaux. Puis ici, on recrée les quatre saisons. Comment on fait pour recréer les saisons? Alors, on contrôle la lumière puis aussi la température. Ah, oh, c'est ça qu'on voit en haut? Oui. Bon, ben, mission accomplie. Ben oui, c'était super ça. Et Thomas, qui est sur le bel pot. Vas-y, Molo! Bienvenue à la fameuse chronique Robitaille Rencontre!
Allons rejoindre notre ami André avec son invité. Et oui, bienvenue à Robitaille Rencontre. Aujourd'hui, un invité tout à fait spécial. Oui, il s'agit de joueur des Canadiens de Montréal, Jean-Jacques Desgnaux, qui est pas là ici, mais qui est au forum présentement avec moi-même. C'est parti, on regarde ça. Allez, go. Ouais. C'est parti. Bonjour. Ah, et sais-tu, Jean-Jacques, c'est meilleur comme moi? Je pense que oui. Bravo, c'est prouvé. Je pense que oui. Est-ce que vous pratiquez beaucoup? Mais une fois par jour, environ des sessions de 1 heure à 1 heure et quart. Pas plus que ça. Une fois par jour, tout le temps? Oui. Jacques, demain, c'est très bon pour nous. Il nous donne beaucoup de journées de congé. Par exemple, hier, dimanche, on a eu une journée de congé. Puis, même si on avait perdu le soir d'avant, je pense que Jacques prend pas ça en considération. Il prend seulement en considération que les Canadiens ont bien joué récemment, puis on a peut-être besoin d'un congé, puis il me donne ce congé-là. Quand tu étais petit gars, là, quand tu avais 11 ans, 12 ans, Jean-Jacques, qu'est-ce que tu rêvais d'être ici, là, dans ce chandail-là? Bien, quand j'avais 10, 11 ans, j'étais le plus gros fan des Canadiens de Montréal. Ah oui? Je me rappelle, j'avais un petit livre de téléphone, puis j'avais la carte de hockey de Guy Lafleur dans mon livre de téléphone. Puis, j'étais un gros partisan des Canadiens parce que j'ai grandi à Villemort, juste à côté du forum ici. Oui, tu as joué avec Mario Lemieux. Oui, c'est ça. Ça fait que je dirais que j'étais un gros partisan. Mais à ce jeune âge-là, je pense pas que je pensais à faire une carrière de hockey professionnel. Mais tu jouais beaucoup, beaucoup, hein? J'avais un petit gars qui a joué tout le temps, tous les jours, oui, dans la rue, dans l'aréna. Quand j'étais jeune, j'étais presque pas débarquable de la patinoire. Je me rappelle un samedi soir, dans le parc juste en face de chez nous. Les lumières ne s'éteignaient pas. Le gardien du parc n'était pas capable d'éteindre les lumières. Alors, j'ai resté sur la patinoire dans un gros froid jusqu'à 3 heures du matin, jusqu'à temps que ma mère vienne me chercher. Jusqu'à 3 heures? Jusqu'à 3 heures du matin, parce qu'on avait des lumières jusqu'à 3 heures toute la nuit. Ouais. Fait que j'en ai profité le plus longtemps possible. T'en manges. Qu'est-ce que ça a fait comme émotion quand tu as su que tu étais pour les Canadiens, là? J'étais très content. Premièrement, j'ai pas commencé ma carrière avec le Canadien. J'ai commencé avec Vancouver, Philadelphie. Mais je pense que ça a toujours été en arrière de ma tête d'évoluer avec le Canadien de Montréal un jour parce que j'avais toujours le Canadien dans le cœur un peu, avoir grandi avec eux. Je pense que ma famille aussi avait le Canadien de Montréal dans le cœur aussi parce que quand je venais jouer ici au Forum avec les Canucks de Vancouver et les Flyers de Philadelphie, on me disait tout le temps à ma famille qu'on prenait pour les Canucks ou les Flyers, mais je savais que dans le fond d'eux-mêmes, ils prenaient pour le Canadien. Pour le Canadien. Mais j'ai jamais rien dit. Mais tout ça, là, toute cette carrière de petit gars-là bien occupé, avec ses ambitions-là, ça t'a pas empêché de faire de la musique? Non. Et t'en fais encore, je pense. Hein? Tu joues du piano? Oui, c'est ça. C'est dans mes temps libres, j'essaie de. Mais premièrement, je prends des cours de piano présentement. Puis, comment tu fais dans cet horaire-là? Bien, c'est très difficile. J'ai pas beaucoup de temps de pratiquer. J'ai pas beaucoup de temps de m'installer au piano pour essayer de pratiquer, mais tu sais, un joueur de hockey, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon aussi, c'est qu'on pense au hockey 24 heures sur 24, ouais. À part quand on est couché. Mais des fois, c'est pas bon peut-être de penser au hockey 24 heures sur 24. Mais n'importe quelle passion, je pense qu'on peut changer nos ouais, idées. C'est ça. C'est bon d'avoir des choses en à côté qui nous font mentalement nous évader un peu du hockey, la pression du hockey. Il ne faut pas qu'on se fatigue mentalement du hockey parce que c'est tellement un beau sport, un si beau jeu, il ne faut pas qu'on se tanne. En pensée 24 heures sur 24, on se tanne. J'aime ça que tu en parles comme un jeu parce que je vous ai vu pratiquer tantôt, vous avez eu du fun ensemble. Je sais que toi, tu es un gars dans l'ensemble des joueurs qui est un bout d'entraîne aussi. C'est important pour toi le plaisir dans le travail, le plaisir dans... Oui, c'est très important parce que en plus d'être un métier, mais le hockey, ça reste toujours un jeu. Puis pour un joueur de hockey, mais si... la journée de le joueur de hockey va perdre le feu là, en dedans de lui, ouais, là, le plaisir, de plus jouer, le plaisir de ça, mais ça aide le temps à se retirer. Donc, c'est important qu'on garde ça comme un jeu entre nous. Puis l'important, c'est que les 20 joueurs sur la patinoire aient du plaisir ensemble, puis du plaisir à évoluer ensemble. Ouais. Ça restera toujours un jeu. Cette année, tu as reçu ça sur ton chandail, qu'est-ce que ça te fait et qu'est-ce que ça donne d'avoir ça? C'est juste une parure, ça veut rien dire? Veut dire que je commence à être vieux. Hey, t'es pas vieux, mais un joueur d'hockey, ça dit vite, on dirait. Mais premièrement, je crois que je suis le défenseur un peu expérimenté des Canadiens de Montréal à 28 ans. Puis. 28 ans, c'est pas vieux. Non, c'est pas vieux. Pour un défenseur, c'est pas vieux parce que un défenseur, bien, je pense que ça dure plus longtemps qu'un avant dans la Ligue nationale, premièrement. Mais je crois que ça signifie que l'an dernier, dans les séries éliminatoires, Jacques Demers a laissé beaucoup de joueurs s'exprimer puis amener des points positifs à l'équipe. Ouais. Puis Jacques Demers était ouvert à prendre ces propos-là. Puis moi, j'en suis un de ceux-là. Puis je pense que Jacques a noté bon. Là, que,
que je devienne assistant cette année. Il pensait que je serais capable d'aider beaucoup les jeunes ici. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans tout ça? De jouer pour les Canadiens, d'être joueur de hockey professionnel. C'est quoi qui est le plus fun? Bien, tu sais ce que... Bien, premièrement, jouer au hockey, gagner des matchs de hockey. Aussi, la récompense immédiate que le hockey donne. Vous savez, quand quelqu'un travaille dans un office ou bien pour une grosse firme, il travaille. La récompense, ça peut être son chèque de paye ou bien un projet qu'il a travaillé dessus pendant des années. Ouais. Mais la récompense d'un joueur de hockey, c'est au bout de 60 minutes, c'est la victoire. Ouais. Fait que c'est ça que j'aime, c'est la récompense après le travail effectué, c'est la récompense tout de suite. Aussi, ce que j'aime d'être un joueur de hockey, c'est de pouvoir faire plaisir aux jeunes. Vous savez, parce qu'il y en a beaucoup qui te regardent, là, qui sont maniaques, puis qui m'envient ouais, d'être à côté de toi. Ça, comment tu prends ça, ça? Bien, je prends très bien ça, mais tu sais, cette année, c'est la première fois que je passais l'Halloween chez nous. Puis j'avais des jeunes, beaucoup de jeunes qui sont venus à la maison, puis demandaient des bonbons, puis à l'occasion, demandaient un autographe. Qu'est-ce que je trouve beau dans tout ça, d'être joueur de hockey, c'est que par un autographe, par une photo, je suis capable de faire un plaisir, extrêmement plaisir à un jeune. Puis, mais qu'est-ce qui va me faire de la peine? C'est un jour, peut-être que je leur ferai plus plaisir parce que je ne suis pas un joueur de hockey toute ma vie. Mais pour l'instant, c'est l'affaire que j'aime le plus d'être un joueur de hockey. C'est que je suis capable de faire plaisir vraiment à un jeune avec un autographe, avec une photo. Puis, mais là, Jean-Jacques, avec ton passage à Vasimolo, tu as fait plaisir à 1,5 million de jeunes. Mais t'es bien gentil dans ton passage. Ça fait extrêmement plaisir. Là, maintenant, je vais essayer de te déjouer. T'es okay. Défenseur, toi? Ouais. On va essayer de voir s'il est bon. Amenez-moi une rondelle. Bon, OK, merci. Attention, je vais aller compter là-bas, moi. OK, viens OK, faire. Vas-y. T'es trop bon pour moi. Et voilà, c'était notre Robitaille Rencontre pour aujourd'hui. L'émission est presque terminée. J'aimerais maintenant te présenter un extrait de la semaine prochaine. Qu'est-ce qui va se passer? C'est une émission classique. Place à la musique! Bon, gardez la note, là, hein? C'est l'heure de ma collation. Que j'envoie pas un, laissez la note. Bon, continuez. Très bien, très, très bien. Continuez, là, c'est bon, c'est très, très bien. Très bien, bon, parfait. Bon. Francis, as-tu ma collation, là? Oui, madame. Parfait. Ta note, prends ta note. Bon. C'est ça. Comme chef d'orchestre, on fait pas mieux, hein? Ils ont répété un concert qu'ils donnent le 11 décembre. C'est l'Orchestre symphonique des jeunes à la salle Claude Champagne à Montréal. Alors, si ça te tente d'aller voir ça, on va voir ça, c'est à 20h avec tes parents. On va voir un beau concert répété par Adrénaline. Alors, à la semaine prochaine. C'est déjà terminé. Oh, on parlait d'exagérer, puis là, je pense que je vais m'ennuyer. Je sais que c'est un peu exagéré, oui. J'aimerais ça que tu reviennes la semaine prochaine, ça va être facile. Non, pas tant pour. Non, à la semaine prochaine. Non, reste. Non. C'est exagéré, mais je l'appelle.